is that? Are we close enough to each other? I'll come out the picture. He's gonna take a picture, but won't come my line. Take your picture first. There's nothing to, hello. 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 We got it. Get Alan in the picture so we can get the five figures out of here. Well, I'll make him take the picture first. I can't see all the faces, so yeah, there we go. Get closer to the end. Can you squeeze in a little at the end? No, you're good. Yeah, sorry. Yeah, there we go. Yeah, and the man with the hat, a little bit that way. There we go. Carry on. Merci à tout le monde pour l'invite ici pour cette conférence de presse. J'aimerais, avant que je fasse la conférence de presse en français, savoir s'il y a des médias francophones ici. Well, obviously, we had hoped to have larger media impact given the coverage that was generated by our first two press conferences and the impact those press conferences had in assuring that motion was unanimously adopted by City Council. I'd like to say the following, that on November 18th, there was a truly profound debate at City Council, and a motion that was historic was unanimously adopted by the Council. The Council said, hey, street checks, for no particular reason, have got to stop now. That all the councillors, all the parties spoke to it, said that people should not have to fear walking the streets of Montreal. And the report that came out on October 7th showed that some groups in our population are stopped disproportionately compared to everyone else. It's a wake-up call. And we ask the police department to stop doing that, and that in future, that we work towards a set of rules that ensure that nobody has to fear being stopped because of race, color, or perceived ethnicity. And the council also asked the government of Quebec to legislate the same way as Ontario, same way Nova Scotia is going to do, to ensure this type of thing doesn't happen. This was followed up by a public security meeting on the 22nd of November, in which the police department admitted systemic bias exists, admitted the reports of the research was accurate, but they wouldn't use the word profiling, and they promised to work toward a new policy in March. We welcome Alexander Norris's promise made publicly that that policy will be studied in public by the public security commission, with the community able to be able to comment on that. We're here for two reasons today. Three reasons, really. The coalition has gotten larger. We now have 30 groups in the coalition. Second of all, we wanted to give voice to Native women in particular, and Native people, because they, more than any other group, are stopped by the police and routine police checks, which have no valid public security reason. And their voice was not heard in the first two press conferences that we held. Third of all, we want to make public information from Toronto, recently adopted by the Toronto Police Services Board, and which called for a new policy which we want Montreal to follow. Before I give it to the first speaker, I'd like to introduce a few of the people who are here with me. My colleague, Giuliana Fumagalli, the mayor of Villeray Park Extension, St. Michel Park Extension, who was the seconder of the motion that was adopted by council. My colleague, my collègue, Mélanie Chantal, Marenga, conseiller d'arrondissement à Montréal-Nord pour soulever les questions de confinage à Montréal-Nord depuis des années. Monsieur Bachir Roussin, qui représente l'association CACIAT,
Monsieur Alain Babinon, ancien policier à la GRC pendant 25 ans, qui représente Croix, qui est représentant de... Native People's Justice Center of Montreal, Mr. Sharon Nelson, representing the Jamaica Association, Mr. Davey Franco, representing the Native Harm Reduction Project, Madame Jessica Quijano has the benefit of being one of my constituents, who I listen to very carefully, who is here representing the Native Women's Shelter as the coordinator, and Matt Cusack, who is the executive director of the Native Women's Shelter of Montreal. La conférence de presse étant donné la présence de Zachary et tout le monde va maintenant dérouler dans les deux temps. I'm going to invite Jessica Quijano and Matt Cusack. Tell us a little bit about the experiences they have at the Native Women's Shelter and their clientele, which reports to them about what their experiences are on. Hey, Dan? Hi, everyone. So, Jessica Quijano here. I'm the project coordinator of the Native Women's Project, which is a project to eradicate the forward to share about their experiences, and the women are, but it's still
groups that have joined recently. As I said, we are over 30 groups. I'd like to also recognize Paul Ramon of Vincente, the Vice President of the Filipino Association of Montreal. He is here as a representative of that organization, which is a member of the coalition. Comme j'ai dit, il y a deux buts au meeting. Raconter la réalité des femmes autochtones sur les rues de Montréal, comme a témoigné Nakuset et Jessica, mais aussi pour vous dire que j'ai une nouvelle politique adoptée à Toronto contre Fox Pertinent. J'admis Alain Babineau de donner le discours d'expliquer ce quoi, quand et qu'est-ce qu'il nous demande. Donc, il y a maintenant près de deux mois depuis le dépôt du rapport de la SPVM sur les interpellations de l'usine, et presque un an depuis le dépôt de leur plan d'action en matière de prévention du profilage racial et social. Cependant, au corps, on continue de recevoir des plaintes de profilage racial et des interpellations abusives. In other words, the word on the street is that things are actually getting worse. Bien que la SPVM dit qu'il travaille essentiellement en vase close, sur la mise en œuvre de mesures en matière de profilage racial systémique, nous constatons que la collecte de données sur la race des personnes avec lesquelles le SPVM entre en contact ont été faites d'une façon systématique. Selon nous, comme nous l'avons déjà dit, le rapport d'octobre sur les interpellations de rue n'est que la pointe de l'iceberg. Meanwhile, Ontario, Toronto Police Service Board approved last September a landmark policy around mandatory collection, analysis, and public reporting on race-based data in cases of street and traffic checks, charges, arrests, and use of force. This is a huge step forward in the battle against eliminating racial profiling and discrimination by law enforcement. There's an opportunity here in Montreal to do the same. After all, Montreal is just as multiracial as Toronto. In fact, in September 2017, la Commission permanente sur le développement social de l'Université Montréalais ainsi que la Commission de sécurité publique recommended the implementation by 2018 of the race data collection system for individuals stopped by police. Like many other calls for action over the years, we don't know today what the SPVM is doing about this particular recommendation. I believe that without race-based data collection, we cannot measure the nature and extent of racial disparities in the way Blacks, Indigenous, and other racialized communities are being treated by the SPVM. Delaying race-based data collection is denying that racial profiling exists in Montreal. Last October, the Bien Commission, which looked into allegations of police mistreatment of Indigenous women in Val-d'Or, included the collection of ethno-cultural data that is already used in other provinces among the calls for action to action to counteract systemic racism in the police service delivery for First Nation people. In its 2019 report on preventing and countering racial profiling of people of African descent, the United Nations has recognized the collection of race data as an important component of efforts to challenge racial profiling. So, what would mandatory collection analysis and public reporting of race-based data do for the SPVM? Well, number one, from an individual standpoint, the collection of data may result in SPVM officers on the road becoming more thoughtful about their decision-making, more accountable to the person they are interacting with, subject to stronger supervision and management. Number two, from a systemic standpoint, would also allow for analysis of individual encounters and for broader patterns and trends in police intervention. Analysis of the data would also support the strategic management of law enforcement operations, which should in turn help improve the fairness and effectiveness of police service activities. Number three, would also provide opportunities for external accountability by community and human and civil rights organizations. But most importantly, it will provide an opportunity to measure levels of racial disparity and to consider strategy for addressing disproportionate street checks and traffic stuff. Après tout, le SPVM dit qu'il a besoin de plus de données. Pour reconnaître, traiter et prévenir un problème, il faut le documenter et déterminer sa nature et sa portée. La collecte de données basée sur la race des personnes avec lesquelles les policiers entrent en contact
suivi d'une analyse de telles données, donnera au SPVM et au grand public des outils transparents, fiables et efficaces pour assurer ultimement un service de sécurité publique équitable, non discriminatoire et fiable. Comme dans le cas du programme d'accès à l'égalité, les données relatives à la représentation des conciles dans différents corps d'emploi, les données fondées sur la race des personnes interpellées sont légales, possibles et nécessaires. On the eve of the 30th anniversary of the École Polytechnique massacre, we must realize the importance of ensuring that fair treatment and effective protection for racialized and indigenous people, especially indigenous women, who are disproportionately exposed to violence, discrimination, and profiling. I got to tell you a story. As an RCMP officer, during the open crisis in 1990, I saw firsthand what systemic racism against First People looks like. I'll never forget. Race-based data collection and policing is integral to truth and reconciliation and ensuring justice for all. Can I indicate for the journalist that Dombo Pachette is having a document de Toronto? Si vous n'avez pas, je vais vous donner un peu de confiance de fait. Et que ce va être appliqué en phase A. En phase A, la première phase est le 1er janvier. Tout rapport sur l'utilisation de force doit comprendre la race de personne. Et en mi-2020, ça va être augmenté pour avoir la race de personne qui est arrêtée, charged, accusée. Et finalement, en 2021, la politique va appliquer à toute interpellation, soit seulement pour la circulation, soit de vérifier le. L'immatriculation du chauffeur ou de donner une violation ou une interpellation sur la rue quand les policiers arrêtent quelqu'un dans le contexte de la plupart du politique, comme d'appliquer un mandat ou effectivement de constater que le crime était appliqué. Pour nous autres, le message aujourd'hui est qu'on a grandi, on va continuer à grandir et on va être encore plus actif en 2020. On n'a pas seulement l'intention d'être présent dans la sécurité publique et aux périodications à l'hôpital de ville, mais aussi d'inviter les citoyens de pousser pour le changement. Sans les citoyens qui sont mobilisés et actifs, les choses ne vont pas changer. Donc, je donne la parole à ma collègue René Chantal Berenga, qui a vécu à Montréal-Nord depuis des années des plaintes populaires, des tensions et divisions extrêmes dans la population et elle invite les gens de nous appuyer dans notre marche et d'être visible pour qu'il y ait un dialogue fructueux qui va amener à la change. Merci, Marie. Donc d'abord, merci beaucoup à tous les membres de la coalition de se joindre à nous comme élus municipales. Ce que nous apportons aujourd'hui, c'est de dire officiellement que toutes ces interpellations basées sur la race ne doivent plus avoir lieu. Effectivement, Montréal-Nord, on vit des lors de la commission de la sécurité publique le 28 novembre, nous avons parlé du leader de la RTA nationale qui a rappelé comment l'impact du profilage a un enjeu sur le quotidien de nos familles. Donc, le jeune qui se fait interpeller, c'est notre enfant. Le jeune qui se fait interpeller, c'est notre conjoint. Nous sommes tous indirectement touchés par des situations de profilage marginalisent une partie de notre population. Tous les citoyens montréalais ont droit au même traitement, ont droit à la même sécurité par rapport à la police et nous devons trouver des solutions constructives mais également rapides pour mettre un terme à ce profilage. Donc aujourd'hui, bien sûr, je viens renforcer la voix de la coalition qui demande bien sûr une collecte de données basée sur la race. Ces collectes de données, bien sûr, vont rapprocher le droit jusqu'à un certain point la volonté de la police de bâtir des ponts avec nos citoyens. Il faut qu'on réussisse à documenter ces pratiques. Il faut qu'on réussisse à savoir effectivement qui sont les citoyens interpellés, est-ce qu'ils le sont plus que les autres, et qu'on corrige le tir par des actions concrètes et par une volonté autant de la police que de la société civile que de la police. Merci. Monsieur Roman,
ont un accès très bon de classe, il y a des études professionnelles. Dans ces commissions scolaires, il y a des choses qui peuvent multiraciales, multiculturelles, où les problèmes de profilage et d'interpellation sont faits réels sur le terrain. Et les écoles savent et les commissaires savent et qui nous donnent son appui aujourd'hui. Mesdames et messieurs, prendre les questions en français pour commencer. Okay. Can we English too? If you want to answer in English. Bon, c'est comme vous voulez. Bon, première question, ce serait la solution que vous proposez pour la collecte de données sur la race des personnes interpellées. Vous êtes certain que sur le plan légal, ce serait possible? Il n'y a pas un enjeu privé. Oui, c'est légal. C'était déjà proposé à Montréal par deux commissions du Conseil et jamais adopté. Même qu'une de ces commissions est la commission de sécurité publique. Il y a des gens qui posent des questions sur si le service police est à l'écoute de l'autorité civile. Depuis le commencement de ce dossier, il semble qu'il n'y a pas un arrimage parfait entre les élus avec leur motion et la commission de sécurité publique et le service police. Et les gens posent des questions pourquoi ça n'était pas déjà la règle ici. L'exemple de Toronto, de Mont, qui effectivement prend la volonté, c'est de bien mettre la politique et les élus insistent de le faire. C'est l'idéal. J'aimerais ajouter un peu à votre question. Je pense que c'était vous qui m'avez posé le 18 novembre si le gouvernement du Québec va t'aider. Et le lendemain, le premier ministre semble être pas exactement chaud à l'idée de la régulation à travers le Québec. Et par la suite, nous avons appris qu'il y a déjà une committee conjointe des policiers de partout au Québec, incluant la SQ, qui travaillent exactement sur les questions d'interpellation. Monsieur Charbonneau, l'inspecteur Charbonneau, à la réunion du 22 novembre, a dit que ce comité va dresser un rapport qui va être envoyé au ministre de Sécurité publique le premier trimestre de 2020. Espérons que tout le monde va comprendre ça dans l'acte. Et Québécois d'avoir les mêmes règles partout. Ce n'est pas un problème montréalais, ce n'est pas un problème pan-québécois. Dans les banlieues de Montréal, sur la rive nord, dans le grand nord, où il y a une population autochtone, mais aussi dans la rive de l'Est et ailleurs. Donc, d'avoir les mêmes règles qui respectent la valeur d'une personne et assurent que les policiers remplissent leur mission de manière professionnelle en respect de la charte des droits et libertés du grand mondial. On est confiant que M. Thibault va effectivement nous appuyer dans ce point. J'espère que ça va en être question là, pendant l'étude du livre vert, le Green Book de la police de Québec. On veut moderniser les pratiques de la police. Là, c'est ce qui est le gouvernement de Québec. J'espère qu'il va être question aussi. Mais possiblement, on est encouragé qu'il y ait la même réflexion au sein des corps policiers au Québec. Pour nous, un élément primordial, vous ne faites pas ça seul. Il y a effectivement un dialogue. À Toronto, le dialogue avec la création du comité antiraciste qui a aidé le Toronto Police Service Board dans la démarche de collecter des données raciales. Comment se faire peut-être en respect de la personne, en respect de la loi, et en façon qui aide les policiers dans leur tâche, mais assure la population qu'il n'y a pas une surreprésentation des personnes de couleur et des autochtones en personnes interpellées. Pour revenir sur votre motion, donc, qui a été adoptée le 19 novembre. 18 novembre. Oui, excusez-moi. Bon, depuis le terme moratoire, on parle d'interpellation sans fondement. What does that mean? Est-ce qu'elle donne vraiment quelque chose à personne? Exactly. Some people said, well, that could be a loophole, right? Un trou dans la résolution. Je crois pas. La parole des trois parties, des deux parties politiques majeures dans le conseil, des indépendants, tout le monde qui a parlé, a dit clairement, on ne veut pas que les gens sont arrêtés, basés seulement sur une biais systémique qui existe dans la force, qui produit une situation où les gens de couleur et les autochtones sont arrêtés sans vraie raison de sécurité publique. C'est vraiment un préjugé qui doit être rayé de la surveillance de police. Everybody on record agrees with that. I don't think there's any shade of gray. C'est noir sur blanc, sans fondement et sans fondement.
It doesn't mean, bon, il y a 10 personnes qui ont traversé la rue et il y a feu rouge, arrêté un piéton sur 10. It just happened to be the black guy, right? That's not what we were saying. We're not saying that, we're saying. Clairement, je dirais structurer la service police quoi, but prendre ça dans le gros bon sens et coopérer avec les autres. Dans une société démocratique, c'est des élus qui font la politique. Le service police est absolument pour la vie. Ils sont pas là pour dire, you're bothering us, we don't want to do it, you're handcuffing us, we want to do it our way. C'est pas ça. Nous avons tout dit, il y a un problème naturel. Dans la population, peut-être pour M. Babineau, mais donc ce que vous disiez tantôt, ça n'a pas vraiment. Est-ce que depuis cette motion-là, vous avez encore reçu des plaintes pour des interpellations policières sans fondement? Ça s'est pas amélioré. So police officers don't like to be told what to do, how to do it, and when to do it. Now it's nice to have something in place, and I think the moratorium and the motion that was passed was a clear signal that, you know, we're going to mobilize the community, we're going to make, you know, we want something to change. How does that translate on the street? And from our, you know, experience with clients and word on the street, they don't take you seriously, and then that speaks to me, to the type of message that the organization has, the type of signals and the type of communication that the internal communication within the SPVM. So I'm not sure, I was asking that the CPS meeting, that clear directives be given to police officers on the street, so that they know where they stand. I don't think that happened. When you talk to somebody, you're going to speak the same language as them. And so you're going to speak police language. And police officers are very, pardon the pun, black and white. And they need clear direction, clear directives. And otherwise they'll find ways around, you know, getting the job done from their perspective. So I have to apologize. I didn't call my own scenario, but I didn't put the aid in the Tucson, if you're coming to the OQB. I mean, Brian Cole from the Native Harm Reduction Center to come forward and say a few words. One of the objectives of today is to interview the Native community and their experiences, so I do apologize. Yeah, my name is Dave Bott. I work for the Native Harm Reduction Project. And I would like to say that our unit at the SPVM in Montreal, the Bay Area, is positive. However, that is not what I'm here to report. More likely those women are being singled out and marginalized by SPVM as well as indigenous men. I myself personally, ironically, was almost pulled over just taking a panoramic picture outside on my way into the building. This happens almost on a daily basis for our women and for our men. You know, at the end of the day, I think that this is a positive initiative and it needs to happen. Not the gray area, it's just black and white, you know, don't call us, we'll call you, kind of thing. It's grandfather, it's no longer a time of terror or worry. People are intending to be more civil in 2019, and basically our women's safety and our men's safety are paramount. We are here always trying to create good relationships. I also know that we are in Mohawk, unceded territory, and I would like to acknowledge that today for my Mohawk brothers and sisters over there in Kahnawake. And I would like to thank everyone for coming out here, and just to say that, that we stand by this, and that harm reduction works, and your part in this harm reduction is policing your police. Thank you very much. Questions in English? I'm going to do them one-on-one, yeah. Any other questions? Okay. Merci beaucoup. Thank you to the participants. We're going to see you all again in the new year. We're very active and present, and we want to see positive change. And we're putting our hand out in collaboration with the city administration, the opposition, the Public Security Commission, and the police department. We're going to change things in partnership. Merci beaucoup.